Bonjour, ça fait 17 ans que ça dure et personne ne s'en lasse. La fête du mouton à Ligné a encore attiré des milliers de personnes le 14 juillet dernier. Une fête organisée par Ligné Festoailles et ses 400 bénévoles. Au menu, défilé, danse, démonstration, bal et feu d'artifice. La première, c'était en 1997, première fête du mouton organisée à travers l'ensemble des associations de Ligné à l'époque qui ont été sollicitées un petit peu par la mairie et par ceux qui avaient envie de monter quelque chose pour représenter Ligné. Donc le thème c'était le mouton, puisqu'on avait à l'époque 15 à 16 éleveurs sur la commune, ce qui représente plus de 4000 moutons qui étaient sur la commune. Et à l'époque, Ligné était capitale ovine des Pays de Loire. Donc c'était le thème qui a permis d'accrocher et puis de partir sur cette idée-là. Au fur et à mesure du temps, on a un peu moins d'éleveurs puisque la retraite étant là, pas toujours relevée. Mais bon, on est toujours là et on cherche à promouvoir ce milieu ovin à travers l'image du mouton. En tout cas, de faire parler du mouton, c'est l'idée. Et pour ça, on fédère l'ensemble des associations de la commune pour organiser cette fête. On a démarré ce matin par l'ouverture du vide-grenier, donc à 6h du matin. Les premiers étaient très tôt, même avant. À 11h, un magnifique défilé où, en clôture du défilé à l'arrière, on a toujours notre Marc Le Breton avec ses moutons. C'est important, ça fait partie de notre folklore à nous d'avoir les bêtes dans le défilé. Et puis évidemment, tous les groupes qui ont participé au défilé vont se représenter cet après-midi sur podium, puisqu'on a basé notre thème de cette année sur les danses d'ici et d'ailleurs. Et on va retrouver ce thème reporté sur l'ensemble des danses des différents continents. Évidemment, on ne peut pas se faire une fête de mouton sans grillade, donc du gigot d'agneau à midi, du gigot d'agneau le soir. Le soir, plus particulièrement, on fait aussi des sandwichs moutons pour ceux qui ont des bourses un petit peu moins, en fin de mois. Hein. Donc on fait un peu pour tous les budgets. Et on a pour animer toute l'après-midi des spectacles équestres. Pourquoi les chevaux ? Parce que les chevaux savent danser. Et on a trouvé un groupe de la région qui font danser les chevaux. Et je pense que ça va être un point important, un point d'orgue de la journée. Ce sera de voir danser les chevaux, peut-être sur la samba, peut-être sur d'autres thèmes. Mais en tout cas, ils vont nous jouer ou en tout cas nous danser sur différents thèmes intercontinentaux. Évidemment, on a toujours géré l'activité autour des bêtes, donc on va avoir des démonstrations de tonte dans l'après-midi à l'abri sous les arbres avec plusieurs tondeurs qui vont se relayer. On a un stand important qui montre le travail de la laine, donc du début, du lavage jusqu'au tissage. Donc on a un petit groupe de dames de la commune qui travaillent tout le long de l'année sur les métiers à tisser et qui, le jour de la fête, présentent leur travail et travaillent comme si elles étaient en train de faire leurs petites animations tout au long de l'année. C'est vraiment un bon moment. Et puis aller voir travailler, c'est impressionnant. Voilà. Alors ce qui est surprenant, donc la commune de Ligné, vous savez, a une augmentation de population importante en l'espace de 10 ans. Et les nouveaux arrivants connaissent déjà la fête du mouton et puis s'intègrent dans l'association pour pouvoir travailler. Et l'an prochain, la fête du mouton sera le cadre d'un concours international.